On attend toujours beaucoup de ce dimanche-là. C'est le premier du mois de septembre qui voit affluer les pèlerins à Notre-Dame-des-Plans. Qu'est-ce qu'il y a de beau cette année? Ah bah, il y a de tout. De tout. De tout, de tout. Fidèle aussi, comme chaque année? Ouais. Chaque année, oui. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que vous vous présentez de beau cette année? Cigale en sac à sac, on a fait des nappes rondes. Lisiane nous a fait des jolies petites robes pour les poupées. Eh bien, toujours fidèle. Depuis, je ne sais plus. Voilà. On ne compte pas les années. Voilà, Eliane aussi, toujours là. Ah, Lisiane, oui. Et vous les avez mises au Elles sont encore dans la voiture. Ça ne vous dérange pas de les mener à la cuisine là-bas? Combien vous êtes à midi? Je pense 213 ou 215. Oh, ben c'est formidable. Hein. Voilà. Voilà. Et on a beau temps. Hein. Voilà. Combien de couverts? 215, 220. Oh, ben c'est beau. Hein. Ouais, vraiment, cette année, c'est réussi. Et vous mangez quoi de bon? Couscous. Couscous. Et crudité. D'accord. C'est vous qui dirigez la chorale, hein? Ah oui, je suis le directeur musical de l'Icantaire du Soleil. Oui. D'accord, ouais, vous êtes comme chaque année, vous venez? C'est ça, comme chaque année. Le chœur vient depuis plusieurs années, moi je viens depuis aussi quelques années, toujours avec grand plaisir. Voilà. Alors, je sais qu'après tu m'enregistres. Ah oui. C'est qu'après Maurice, tu t'enregistres. C'est une belle journée. Ah, c'est une très belle journée, regardez le ciel. Il n'y a pas un nuage. Je ne sais pas si ma fille est partie. Vous venez depuis longtemps ici, hein, depuis... Ah, depuis... Depuis toujours. J'étais avec l'autre courte, pendant la guerre. Oh, bah là, là. On venait à pied. Ah oui. La Léontine Monnier, tu te rappelles? Elle nous faisait venir à pied. Avec une mule, quand même. Non, ah, non, non, pas une mule, à pied. Les gamins étaient à pied. Le wagon ici. Des travaux d'aiguille, des jeux pour enfants, une tombola, une buvette, voilà de quoi renflouer la cagnotte au profit de la communauté. Des familles entières pourvoient au marché, petits par la taille, mais grands par le cœur. Mondragon s'y révèle sous un jour simple et chaleureux. Le rituel se dilue dans les mémoires. En 1720, la grande peste épargne le village. Depuis, un pèlerinage est dédié à la Vierge. En 1850, le choléra épargne à son tour les Mondragonnais. En 1949, le tracé du grand canal de Donzère à Mondragon évite de justesse la chapelle. Autant de raisons de perpétuer la procession. La chorale paroissiale suit le cortège. Marinette fait ce qu'elle peut pour contenir la ligne de chant. La peste, le choléra, c'est du passé. Le grand canal aussi. Reste l'usine de traitement de boue construite tout près d'ici. Peut-être une raison supplémentaire de défiler derrière la Vierge pour conjurer d'éventuelles nuisances. À tous ceux et celles qui, depuis des années et souvent dans l'ombre, ne comptent ni leur travail, ni leur temps pour confectionner les lots et les réalisations artisanales, pour faire de cette journée une belle fête à la fois familiale et paroissiale. Et je rappelle Marie-Louise qui est là, qui en est à son 86e pèlerinage Notre-Dame-des-Plans. Merci à Notre-Dame-des-Plans qui nous rassemble, qu'elle nous bénisse et qu'elle nous garde, ainsi que nos familles et tous nos villages. Et nous prions encore.
presbytère, devenue grâce à votre esprit constructif, une maison de Dieu, avenante, confortable, je dirais même élégante. Grâce à vous, cette maison pourra accueillir dans des conditions convenables les prêtres que l'on pourra nous trouver. Mais nous devons associer Monsieur le maire, Christian Perron, à la réussite de cette maison. De gros travaux d'électricité, de peinture ont été réalisés par la mairie, ainsi que l'installation de la nouvelle chaudière. Grâce à cette merveilleuse entente entre ces deux hommes, ce presbytère est le reflet de la personnalité de cet homme, ouvert, chaleureux, convivial, constructif. Les cadeaux affluent de toutes parts, car le père Parisot ne rayonnait pas seulement sur Mondragon, mais jusqu'aux paroisses environnantes, pour pallier le manque de curés qui nous vaut aujourd'hui son départ à Carpentras. Non, incontestablement, le père Parisot avait la lourde tâche de succéder au père Vallier, disparu accidentellement, personnage également très apprécié. Dès votre arrivée à Mondragon, vous m'avez contacté d'abord pour que nous fassions connaissance, et ensuite pour discuter d'éventuels travaux pour améliorer la qualité de vie au presbytère et à l'église. A ce titre, j'ai le plaisir de vous remettre au nom du conseil municipal et de l'estime que vous porte l'ensemble de nos concitoyens la médaille de la ville de Mondragon, symbole de reconnaissance du devoir accompli. Père Parisot, je vous souhaite longue vie et réussite dans vos nouvelles fonctions et à bientôt. En fait, je suis arrivé il y a 5 ans, presque jour pour jour, c'était fin août. Hein, les dames qui sont venues nettoyer un peu le presbytère avant que j'arrive, s'en rappellent sans doute. Et je pense que vous aviez pris vos fonctions en mai. Mars. Et il me semble que nous partageons un souci commun que j'appelle le mieux-être des gens de ce village. Chacun dans nos domaines respectifs, mais aussi en bonne collaboration. La réfection complète de l'installation électrique de Saint-Trophime, qui est entreprise par la mairie, donc c'est un gros morceau et on a bien travaillé ensemble. Il y a eu la réfection du presbytère dont on a parlé tout à l'heure, qui est devenue une belle demeure ancienne du village. Je trouve ça important parce que c'est un patrimoine pour moi, cette maison. Les travaux à la chapelle des pénitents à la suite de l'incendie qui avait lieu et des actes de vandalisme. Vous venez de réaliser l'aménagement de la place de la paix qui est magnifique. Le renouvellement de la croix de Mondragon. C'est vous, ça. Il y a eu l'organisation commune aussi des journées du patrimoine qu'on a mis ensemble depuis à peu près 3 ans. L'ouverture de l'église, de nos chapelles. Et puis le prêt des chapelles pour des concerts publics et des manifestations comme le Drac ou le marché de Noël. Donc vraiment dans une entraide. Et enfin le 21 juin dernier, à l'occasion de la fête de la musique, il y a eu l'animation à la place de la paix avec le groupe des Mélocans, les jeunes Sénégalais, et votre comité des fêtes qui a bien pris les choses en main. Alors nous sommes loin de la situation type de Don Camillo et Pépone. C'est la preuve d'un bon dynamisme et d'un vrai témoignage chrétien.